Alors, CPC464 Amstrad, je suis en train d'essayer de réparer sur mon autre Amstrad, celui que j'avais jamais réparé, le petit bitugno là, ce petit appareil a lâché encore une fois, j'arrive même plus à l'enlever, mais bon, vous voyez, il manque toute la partie haute. Je ne vais pas pouvoir le récupérer maintenant. Bon, je récupère ça et je reviens. Alors voilà, je viens de le récupérer. Donc, ça c'est l'original. Ça c'est l'original. Le bitugno, on dirait qu'il est cassé. La petite pointe qu'il y a dedans est cassée. Elle ne retient pas le ressort. Je viens de fabriquer un autre ressort plus petit que l'original. Donc, il y a quoi? Il y a 25% de moins, à peu près. Et je vais essayer de refixer ça. Si ça ne marche pas, il faudra que je mette une goutte de glue à l'intérieur de la pointe. À l'intérieur, ici. Dans le petit cône, là. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, il y a un petit cône, ici. Et la petite tige, elle rentre dedans, donc il faudrait qu'elle reste fixe. Jusqu'à ce qu'elle casse pour une prochaine fois, mais là, j'ai pas le choix. Sinon, il faudrait que je trouve une petite vis très fine qui rentre dedans sans casser, sans rien casser, mais ça a trouvé quelque chose d'aussi fin que ça, je ne sais pas si j'ai, et qui serrerait le petit support en haut avec le petit ressort et qui retiendrait l'ensemble. Mais je ne pense pas que j'ai ça. Donc pour l'instant, j'essaye comme ça. Ça a lâché d'un coup. Bon, j'essaye ça et puis je verrai bien si c'est viable ou pas. Donc voilà, là j'ai remis mon ressort. À l'intérieur, le nouveau ressort, hein, plus petit, mais j'ai fait un test en appuyant juste sur le petit cercle au milieu là, de fixation, ça tient et ça se met en pause, c'est le bouton pause, donc il fonctionne sans problème. Moi ce que je vais faire, parce que j'ai l'impression que le petit bouton central va encore partir, parce qu'il suffit d'appuyer trop fort sur la touche, ou n'importe, hein, au bout d'un moment, il s'en va. Donc, ce que je vais faire, Et vous voyez, j'ai bien gardé le ressort original qui est là. Là, je vais vous montrer en appuyant. Je ne sais pas si vous voyez, mais le bouton reste en position. Je réappuie dessus, il descend. J'appuie, il reste en position haute. Je réappuie, il descend. Donc, c'est bon.